Contrat là, s'il te plaît. L'entrée va tomber. Merci. Vous pouvez mettre les parpaings à l'intérieur, non, mon grand? Vous pouvez mettre les parpaings à l'intérieur, non? Parce que les enfants vont reprendre les activités lundi. Et ils peuvent casser les parpaings. Ça serait encore coûteux pour vous. C'est mieux de remettre les parpaings à l'intérieur pour la sécurité. Parce que le bénévole va faire de son mieux pour que les enfants n'entrent pas de l'autre côté là-bas. Et qu'ils ne jouent pas avec le sable, s'il vous plaît. Merci. Ah, je suis menti pour les mouches là-bas, non? Odé, tu charges le téléphone de Bradley là, s'il te plaît. Bonjour, mes amours, bonjour. Bonjour, mes quotas, bonjour. Connectez-vous, partagez le direct, s'il vous plaît. Connectez-vous, partagez le direct. Ouais. J'aimerais dire à la grand-mère qui m'a appelé tout à l'heure, qui est en France, que sa fille est... Sa fille a... comment on dit? Sa fille a fait un enfant autiste avec quelqu'un qui n'a rien. Elle a besoin d'aide. Le réseau dérange, maman. J'ai essayé de vous contacter, fatigué, mais le réseau dérange. Merci, papa. Que sa fille n'a rien avec son mari. Ils ont un enfant autiste. Elle voulait que Asda aide sa fille. Nous sommes situés pour le moment derrière le cimetière de l'Orbessou. Pour le moment, parce que c'est maintenant temporaire. Notre adresse de derrière le cimetière de l'Orbessou, c'est temporaire pour le moment. Et à Yaoundé, nous sommes situés sur la nouvelle route Colbisson, si vous êtes à Yaoundé. À Bavoussa, nous sommes situés sur au quartier Tamja, en face de l'église évangélique de Tamja. Parce que la maman, là, moi, on n'a pas pu parler. Elle est en France. Une mamie, elle est en France. Elle dit sa fille a accouché avec un monsieur qui n'a rien. Et l'enfant est autiste. Donc, ils sont dans le besoin. Et c'est une maman qui m'a tout vu à Canal 2. Canal 2, vous m'avez tellement rapporté les gens. Canal 2, vous avez sorti des familles dans des trous pour Asda. Nous vous remercions infiniment, Canal 2. Mais prenez aussi le temps de mettre aussi cette image de cette dame qui est devant vous là. Je parle, je m'adresse comme ça à Canal 2 International. Vous avez plus d'un million de vues sur votre page. Prenez aussi le temps, s'il vous plaît, de mettre mes numéros. Vous n'avez pas pris le temps de le faire. Mettez mes numéros pour que les bienfaiteurs qui vous regardent puissent venir directement chez moi. Donner leur participation. Pas qu'ils vous donnent à vous, non. Parce que vous donnez à vous, c'est de l'arnaque. Qui viennent directement à bon port, donner leur participation à la reine galloise. Afin que je puisse regarder le peuple que vous m'avez envoyé depuis l'année passée. Le monde que vous m'envoyez là. Nous sommes une association à but non lucratif. Bonjour mes amours, bonjour mes stars, bonjour mes bien-aimés. Daniela Ochoande, bonjour maman chérie. Catherine Réunion, bonjour ma star d'amour. Joséphine Sumo, bonjour mon amour de sœur. Bonjour Fantoma Tarzan, mon chéri. Fantoma Tarzan, mon amour, bonjour, comment tu vas? Ce mois d'avril, c'est un mois de Dieu. C'est un mois où les démons se dénoncent. Beaucoup de personnes qui sont mal intentionnées se dénoncent. Le mois d'avril, c'est un très grand mois pour moi. Donc tous ceux qui sont mal intentionnés se dénoncent toujours en ce mois-ci là. Donc je reçois tout ce qui se passe avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas peur de quelque chose. Bonjour mémé Kouachou. Bonjour maman chérie. Bonjour maman Ziza. Bonjour Ziza. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour Clotilde. Bonjour mes amours de sœurs. Bonjour mes amours de frères. Je suis la reine galloise, fondatrice, promotrice, bienfaitrice des actions sociales diaspora africaine. Une association à but non lucratif qui est née au Cameroun bientôt. Ça fait plus de 4 ans, mais ça va faire 3 ans que j'ai ouvert cette structure-là. Cette structure a pour but d'apporter le secours aux familles très pauvres ayant des enfants différents de 0 à 16 ans. Maman Lily de la Tour, bonjour Monve, bonjour Chabonzui, bonjour mes stars d'amour. Partagez le direct, mes amours, s'il vous plaît. Partagez le direct, mes bébés, s'il vous plaît, mes amours. Pardon, de grâce, partagez le direct. Mes amours de frères et sœurs, comme je dis et je répète toujours, bonjour Vanessa et Vuna. Ouais, mes amours sont là. Il faut que je les appelle avant de continuer à parler. Bonjour Whitney Branston. Bonjour. Easy Tess, bonjour. Bonjour Vanessa et Vuna. Bonjour ma star. Marietta, bonjour maman chérie.
Lina Babara, bonjour. Pardon mes amours, quand je vous appelle, partagez aussi le direct, envoyez les cœurs, enfants qu'on ne signale pas. Sinon, on va signaler le direct. Vous connaissez la loi de Facebook. Hier, on m'a tellement signalé que j'ai eu un message de Facebook que si on continue à me signaler, ils vont bloquer la page. Vous voyez que bloquer la page, ça ne serait pas bénéfique pour les enfants différents. Et je suis ici là pour parler aussi. Partagez, partagez, comme maman Lily de la Tour dit, nous sommes là pour le bien-être de nos enfants. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour déranger qui que ce soit. Je ne viens pas en Afrique chaque fois pour gêner les gens, les habitants de ce pays, non. Je viens en Afrique faire ce que le Seigneur me demande de faire. Voilà pourquoi quiconque veut déranger le travail de Dieu va voir le Seigneur devant lui. Ça ne serait pas la reine galloise. Ça ne serait pas la reine galloise. ASDA, c'est une association à but non lucratif qui ouvre ses portes du lundi à samedi aux parents très pauvres du pays. Les parents très démunis, ayant des enfants de 0 à 16 ans, atteints d'une pathologie. Ces pathologies qui sont rejetées dans la société. Ces pathologies qui ne sont pas acceptées, qui frustrent le monde entier, qui frustrent la société. Ces enfants qui sont stigmatisés en longueur de journée. Nous sommes déjà bientôt plus de 3 ans. Non, je me dis plus de 4 ans même. Que nous combattons, nous sensibilisons, nous faisons, nous motivons des handicapés de venir vers la lumière, de ne pas rentrer derrière. Et ça, c'est grâce à Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que s'il n'y a pas Dieu dedans, ça ne peut pas avancer. Je m'en mets chérie. On dit Amen. S'il n'y a pas Dieu dedans, ça ne peut pas avancer. Le mois d'avril, c'est un très grand mois. Oui, c'est le mois du Seigneur. Voilà pourquoi tout esprit négatif seront dénoncés au mois d'avril. Bon, allez, passe. Je ne suis pas là, tu as vu, le balai va derrière là-bas pour déranger. Imagine-toi quand les enfants là vont venir alors maintenant. Ils montent déjà sur les parpaings là. Balai descend, pardon. Ils montent déjà sur les parpaings. Imagine-toi quand les enfants vont commencer les activités ici. Ça va être comment? Ça serait grave. Et bon, c'est bon, les bénévoles auront plus de travail, ne parlez pas à peu, les comme ça, aller sur la terre, vouloir faire comme ça. Et nous avons des enfants vraiment, vraiment atteints de l'handicap, là que c'est l'oral, hyper actif. La reine, mais j'ai un appartement à Niala. Maman, je ne veux pas aller à Niala, maman. Et ce n'est pas l'appartement que je veux un duplex, avec une cour, s'il vous plaît, désolé. Je veux un duplex avec un cour, désolé. Je suis tellement nerveuse que les mots m'échappent. Vous savez que je suis la maman de ces enfants. Quand tu n'es pas bien, ça m'affecte. Ça m'affecte si bien que je risque de ne pas voyager la semaine prochaine. Je risque de ne pas rentrer en Angleterre. J'ai un autre enfant avec l'autisme là-bas qui m'attend. Luther, vous le savez. Mais si le problème ce n'est pas réglé au Cameroun, je risque de ne pas prendre mon vol la semaine prochaine pour rentrer m'occuper de mes enfants. Mon fils est aussi à l'école à partir. Oui, Ziza, je dois me calmer. Mais regarde ce qui se passe, Ziza. Je dois me calmer. Regarde. Regardez bien cette cour, mon bébé. Regardez bien ici. La cour ici, c'est une cour qui nous appartient à la, dans le contrat de bail. Mais regardez ce qui se passe dans cette cour maintenant. Comment vous voulez que je me calme? Ils sont venus ce matin pour les travaux. Je demande qu'ils arrêtent les travaux. Qu'ils appellent leur patron. Je dois leur parler face à face. Face à face. Qu'ils arrêtent les travaux parce que juste parce que je trouve une place pour partir. Je ne refuse pas de payer le préavis. Je dois payer le préavis qu'ils demandent. Puisque c'est moi qui demande à partir. Oui, je dois payer encore le préavis au moment venu. Si je ne trouve pas un emplacement, je dois payer le préavis. En attendant pour trouver une place appropriée pour ces enfants, s'il y a Douala. Dieu est en train de... Mais Iris Vegas, moi je ne comprends pas. Dans le passé, le contrat de bail qui est là. Le contrat de bail est là. C'est là. Tu peux relire tout ce qui est. Tu peux encore relire tout ce qui est. Tout ce qui nous appartient ici là. Tout ce que nous avons loué ici. Relis un peu tout ce que nous avons loué ici là. Pour que les internautes puissent comprendre. Ce n'est pas le problème que je cherche. Je ne suis même pas prêt à faire des problèmes avec les gens parce que j'ai plus de temps pour me concentrer pour mes enfants différents. Pour mes enfants atteints de l'autisme. De la paralysie cérébrale, de la trisomie, de l'épilepsie, tout et tout. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais je veux que le Camerounais, l'Africain puisse comprendre que voilà comment notre pays est dédié. Ce n'est pas normal. Lis juste la partie des droits, de nos droits. Désignation des locaux. Nous avons droit à une villa, 3 chambres, un salon,
une salle à manger, une cuisine, deux douches, une dépendance arrière, une cour. Non, répète encore la cour là-bas. Une quoi? Une cour. Une cour. Le tout dans une barrière, dans une clôture. Voilà. Une cour, le tout dans une clôture. Le tout dans une clôture, n'est-ce pas? La cour ne devait pas être modifiée par moi ni par les bailleurs. Parce que quand j'ai ouvert le poulailler, ils m'ont demandé d'arrêter rapidement. J'ai arrêté. Parce que je ne devais pas modifier. J'ai arrêté une fois. Et c'est quand j'ouvre le poulailler qu'ils me disent qu'ils ont un plan pour la place là. J'avais à verser l'argent. Je vous dis que cette maison, c'est une maison que j'ai vue dans le rêve. Le 29. Le 29 décembre 2021, pendant mon petit frère qui est là, les bénévoles sont là, ils vont vous dire que je me lève, je leur dis que Dieu me montre une villa ici, un duplex ici à l'Orbessou, qu'un couple a laissé, ils ne sont pas là. Il y a une grande cour et tout là. On a cherché des locations partout. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Dès que j'ai vu cette villa, ils disent que c'est la maison des enfants différents. Mes chers frères et sœurs, il est bien vrai que ça appartient à quelqu'un. Ce n'est pas ma maison. Moi, je ne fais que louer. J'aimerais que les bailleurs me donnent le temps. Je paierai le préavis. Qu'ils me donnent le temps de chercher un emplacement meilleur pour les enfants à Douala. Et je quitte leur maison. Enfin, ils continuent à faire des travaux. Ou bien vous voulez que je les laisse faire des travaux? Ils vont faire des travaux. Mais si ça blesse un enfant de Hazda, qu'est-ce qu'ils diront? Ça va être sur la charge de qui? Si un enfant de Hazda, en jouant maintenant, tombe sur le papin et que le papin le blesse tout et tout là, qui va prendre responsabilité? Parce qu'il faut que vous sachiez ça. Non, je vais payer le préavis si je n'ai pas trouvé une place. Parce que jusqu'au 29, c'est toujours pour moi. Jusqu'au 29, c'est lieu aussi là. Jusqu'au 29 de ce mois, c'est lieu aussi là m'appartient toujours. Mais si je traverse déjà le 29, puisque le contrat, c'est chaque 3 mois que je dois payer. Si je traverse déjà le 29, je dois payer leur préavis. Je dois payer leur préavis. Comme on m'a dit, il y a quelqu'un de la loi qui m'a appelé hier. Il me dit que puisque c'est toi qui veux partir, tu dois payer leur préavis. Comment je vais rester aussi quelque part où on est en train de restreindre la cour? Où on a les intentions de faire de un immeuble dans Hazda. Ouais, Bradley, comme je fais maintenant, il va venir me déranger, Seigneur. Il fait ça exprès maintenant. Le reste, on dirait les mouches payées dans le piqué, un jet. Il est même traumatisé dans ce pays-ci là. Il a traumatisé. Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Tu crois que c'est la chaleur ou bien sa chaleur ou c'est quoi? Mais il veut y rentrer. Viens. Chaque fois que je vais faire le combat des enfants, je dois porter mes enfants pour amener. Je vais les laisser à qui? Même Luther là, c'est mes copines à Cardiff là-bas qui ont dit que non, laisse Luther. Parce que tu n'as pas assez de moyens pour payer le billet d'avion pour les deux. Sinon, je les amène à deux. Tu as raison, les enfants ont besoin d'être en sécurité. Les enfants ont besoin d'être en sécurité. On ne fait pas les choses pour faire. Nous avons des personnalités qui nous visitent chaque fois. Des blancs qui connaissent la loi. Quand ils arrivent, ils vont voir les travaux. Hein, je vais dire, mais pourquoi il y a des travaux? Il y a des clous. Je vous dis, il y a parfois des travaux ici. Ils mettent des clous, des fers, n'importe comment. Ils s'en foutent des enfants ici. Et ils s'en foutent de ce que je fais ici. Après, quand on parle, ils disent que, eux-mêmes font de l'humanité. C'est quelle humanité vous faites même? Vous faites quelle humanitaire? Avant que les travailleurs vous envoient souvent ici, là, ils jettent des clous. Les fers par-ci, par-là, sans tenir compte des handicapés. Moi, je ne veux pas pleurer. Hein. Je ne vais pas pleurer une minute. Les larmes ne vont plus couler de mes yeux. Ce genre de choses-là, jamais de la vie. Je remets dans les mains de mon Dieu. Le gouvernement doit vous aider. Avoir un camarade, nous sommes aussi le gouvernement. Si le gouvernement veut nous aider, ils n'ont qu'à ouvrir des structures aussi comme pour moi là. Un peu de partout dans tout le Cameroun. Ou bien dans toute l'Afrique pour aider le bas peuple. Le gouvernement n'est pas tout obligé de venir vers nous. Notre Seigneur, c'est le gouvernement. Vous parlez de quel gouvernement? Nous-mêmes, nous sommes le gouvernement. Le peuple est le gouvernement. Nous voulons un changement dans notre pays. Et pour ce changement-là, le peuple est tenté d'apporter son initiative. Donc le gouvernement peut copier du peuple, fait aussi ailleurs. Le gouvernement n'est pas obligé de venir chez nous. Non. Commencez par faire venir un huissier pour effectuer... Ils arrivent. Les huissiers arrivent tout à l'heure. Là, j'ai contacté les huissiers et les avocats et tout le monde. Ils arrivent tout à l'heure. Mais le problème, c'est quoi? J'ai juste besoin qu'ils me laissent le temps de partir, de trouver une autre place, un autre milieu. Je pars. Je prends pour les enfants, la maman. Parce que je vais payer 660 000. Sinon, pas. Si d'ici le 29, je suis tout ici, il faut que je paye 660 000. C'est beaucoup.
et qu'elle veut payer 660 000. Je vois que les travaux sont dans la cour. Ça m'énerve. Son mari m'a dit dernièrement, avant que je ne parte pour la tournée à Yaoundé, de la journée mondiale, qu'il va faire des travaux là-bas. Mais je croyais que les travaux qu'il me disait, il n'a pas dit la nature des travaux. Il ne m'a pas dit que les travaux, c'était une construction qu'il devait faire. Non. C'est le jour-là que je le challengeais. Je ne le laissais pas partir comme ça. Ça fait, non, je ne partais même pas. C'est laisser le bénévole partir faire les choses. Moi, je restais à Douala pour voir ce qu'on va faire comme travaux ici. Quel âge qui va faire les travaux là-bas, tout et tout. Je crois peut-être que c'était juste un petit truc qui devait renouveler encore sa guérite. Parce que la guérite, là, c'est pour eux. Hein, comme il fait souvent. Et ça, parce que c'était une fondation, il devait creuser encore dans sa cour, tout et tout, là. Et on me dit que le langa qui est là-bas, il a dit, il a prévu que d'ici la fin d'année, il va lever l'immeuble. C'est pour nous chasser, non, ma. Perle divine. C'est pas pour nous chasser. Je vous dis assez, parce que je connais qu'il y a des magistrats. Il y a même le gouverneur qui me regarde. Le gouverneur même de Douala me regarde. Je dis bien que le gouverneur de Douala même regarde la reine galloise. Madame la première dame Chantal bien me regarde. Donc il faut qu'il se prépare que s'il y a un truc sur la reine galloise, ici au Cameroun, il s'élève. Parce que sinon, Dieu va frapper tout le monde. Sinon, le Seigneur va frapper n'importe qui. Et quand Dieu frappe, c'est mauvais. Le Père du monde entier, c'est le Seigneur. Ce n'est pas les êtres humains. Je crois que la respiration, vous respirez là, ça vous trompe beaucoup. Vous croyez que vous êtes trop fort. Avec tout l'investissement que tu as fait dans cette maison. Maman, c'est en décembre, c'est là que j'ai repeint tout. Il dit, tout est neuf. Vous pouvez visiter, on peut revisiter, vous voyez. C'est en décembre, c'est que j'ai refait tout, j'ai retapé toute la peinture. Je ne dépensais pas moins de 400 000 francs CFA pour retaper la peinture de la maison aussi là. Partout. Changer les pots, tout ça là. Retaper tout, 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 tout. C'est comment? Bonjour ma reine. Ma reine mère des enfants. Soyez bénie. Amen maman chérie. Non, tu dénonces en... quoi? Laisse le volume, pardon. Non, tu dénonces en te basant sur les clauses du contrat. Mamve ne paye pas 5 francs. Jamila, je dois payer si le 29 me trouve. Dans la pourquoi je supplie les gens qui sont ici à Douala. Les gens qui sont à Douala, qui me regardent, qui ont des villas, des duplex. Je vais payer, je ne veux pas le gratuit. I will pay for that. Je ne veux pas ce qui est gratuit. Parce que ce qui est gratuit calme souvent au cours. Je vais payer pour ça, mes amours, s'il vous plaît. Contactez-moi. Dès maintenant au 00 au 675 38 70 93 675 38 70 93, mes amours, de grâce. On signale le direct, vous avez vu, on signale le direct, mes chéris. Le direct est affecté, est signalé. Bonjour mamima, bonjour chérie. Aplakali Plantain tapé, bonjour mon veuve. Je ne veux pas des problèmes. Je ne veux pas les trucs que la justice va être là. On va aller dans les bas. Non, c'est pas ma maison. C'est pas moi qui ai construit ça. Je veux pas entrer dans les tribunaux par-ci, par-là pour la maison de quelqu'un. Non. Remettons à César ce qui appartient à César. Tout ce que je demande, c'est que les bailleurs me laissent le temps de chercher une place pour partir. Et ils continuent à faire leur construction. C'est tout ce qu'ils demandent. Pour la sécurité de nos enfants. Nous avons les moyens de partir. Hier, j'ai visité plus de 6 duplex. Mais c'était dans les sous-quartiers, un genre. Je ne peux pas prendre les trucs comme ça. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous imaginez que c'est grâce à moi qu'on a rangé? Attendez, je vous montre un peu. C'est grâce à la voix de Dieu qu'on a rangé la roue, si vous voyez là. La roue qui marche maintenant partout là, qui part, qui a les graviers là. C'est grâce à la reine galloise. Pas la voix de Dieu. Que le Seigneur a touché le cœur des personnes. Des grandes personnalités qui habitent dans ce quartier-ci. Ils ont rangé la route-ci. Parce que c'était la boue partout ici, là, mes chers frères et sœurs. C'était la boue partout ici, jusqu'au cimetière là-bas, c'était la boue. Regardez, jusqu'au cimetière. Il y avait des ravins d'eau. Des ravins d'eau. Mais les parents des enfants différents qui marchaient sur cette route-là. Est-ce que vous comprenez un peu la voix du Seigneur? Les parents des enfants différents, ils marchaient sur cette route-là dans la souffrance. Dieu a touché le cœur des personnes qui ont des villas, qui ont cet immeuble-ci là. Des personnes même qui ont ouvert l'école, c'est l'université qu'on ouvre là-bas, mais c'est quoi? Ils ont fait les pavés partout. Ils ont arrangé les routes.
quand je suis arrivée ici, c'était pas comme ça. C'était pourri partout ici. Les routes étaient pourries. Ils ne voient pas que le Seigneur a béni Asda. Que le Seigneur vit Asda. Une fois qu'on arrive dans ce village-là, on ne fait même pas 2 ans ici. Les routes sont arrangées partout ici. Les routes sont bien goudronnées maintenant partout. Et il veut que je sorte de là pour aller prendre une place à Lambo City. Dans le sous-quartier. Dans le sous-quartier. Et maintenant que je sorte d'ici là pour aller maintenant prendre encore une place dans le sous-quartier. Après avoir utilisé l'étoile de Asda pour arranger les routes. Pour arranger les routes en faveur de 100 voies. Nous nous rappelons des routes. Vous vous rappelez des routes de filles-femmes? Les routes étaient la merde. Mais où le Seigneur s'installe, où la voix de Dieu est, tout devient, on arrange tout. Maintenant qu'on a arrangé maintenant les choses bien dans sur ces rues-là, les bonnes gens vont me stresser. Pour que je parte vite, je quitte vite la maison. Je ne quitterai pas cette maison tant que je n'ai pas trouvé un emplacement toujours approprié comme ça pour les enfants. Je ne quitterai pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Je ne quitterai pas tant que je n'ai pas trouvé une place bien pour les enfants. Tu as très bien arrangé cet endroit. Non, les routes là, ce n'est pas moi qui ai arrangé, ma valise est vous là. C'est les riches de ce quartier-ci. Hein. C'est les riches de ce quartier qui sont organisés. Eux, ils ont arrangé ça pour Asda. Hein? Voilà. Apparemment, même lui-même, il a contribué pour la route là. Le bailleur ici là, mon bailleur là. Donc, ils ont arrangé pour le bien-être des enfants différents qui tombaient dans la boue en venant à Asda. Ah oui, tu as raison, la reine. Ils doivent te laisser sortir avant de construire. Qui me laisse sortir? Qui me laisse sortir? Ouais, pas les cœurs. Nathalie Ngadja, il signale le direct. Il signale le direct. Vous n'envoyez pas les cœurs, mes bébés. Vous avez vu comment ça se passe. Il signale le direct. Marcel Viviane, envoie les cœurs, mes amours. Et signale le direct encore. Je ne vais pas rester longtemps dans ce direct. Parce que après, je vais encore avoir le message de Facebook. Et sont en train de signaler mon direct jusqu'à ce que, maman. Et anti-zambouam. Le direct ne bouge même pas rien. Envoie les cœurs, non, bébé. Envoie les cœurs. Vous n'envoyez pas les cœurs, eux, ils signalent. Et ils sont décidés. Je suis allé partout, au fait, où l'agent immobilier m'a amené hier. Maman, on signale Claudia. Il signale jusqu'à. Il signale mes directs graves. Mais c'est même quoi ça avec eux, non? Mais si je faisais le clash ici, là, il ne devait pas avoir le signalement. Le direct devait être très clair. Si j'étais en clash, il ne devait jamais avoir de signalement. Mais je parle de ce qui est profitable pour le sang. On me signale jusqu'à fatiguer. C'est pas possible ça. Ce n'est pas un problème de connexion. J'ai près de 100 mégas, gigas. Près de 100 gigas ici. Ce n'est pas un problème de connexion. Non. Où je suis assise là, il n'y a pas un problème de connexion ici. Pardon mes bébés, s'il vous plaît, mais de grâce. Ne simplifiez pas ce que je vais vous dire maintenant ici là. Parce que si je ne finis pas avec l'histoire ici, c'est tonton Paul. Regarde un peu. Ils seront tous vaincus au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bonjour, madame, monsieur. Le véritable problème, c'est que nos enfants ne sont pas facilement contrôlables. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que quoi, mes chéris? À la longue, même les manèges que j'ai mis là, comme elle m'a dit, même les manèges là vont sauter. Les manèges vont sauter. À la longue, les manèges même vont sauter. Pourtant, au départ, quand je mettais les manèges, quand j'ai pris cette maison, la grande cour là, j'ai mis les manèges rapidement parce que la cour appartenait à Asda.
Mais quand elle m'a dit qu'elle a encore un projet de construire ici, et à 10 ans, merde, les Camerounais, hein, les Camerounais, Seigneur. Chance, je n'ai pas ouvert que c'est un prêt-à-porter que j'ai ouvert ici, là que peut-être j'ai mon agent qui entre. Imaginez-vous que si c'était un prêt-à-porter ou bien un business que je faisais dans ce locaux-ci là. Mathieu devait, tu devais avoir le palu. Parce que mettons que c'est les enfants différents, oui. Dieu peut tout nous donner, Dieu va tout nous donner une autre location quelque part. On va partir. Mais comment on peut signer un contrat de bail? La cour t'appartient. Mais à la longue, même pas 3 ans dans cette maison-là. Parce que 3 ans, c'est quand? C'est le 29 décembre. Non? On va faire 3 ans plein ici. C'est le 29 décembre où nous ferons 3 ans ici. Même pas 3 ans. Les gens commencent à vouloir construire, donc à réduire ta cour. À réduire ta cour comme ça, à réduire tout. Même quand ça concerne le social, ma, même la peur de Dieu. Maman, jusqu'à me dire que non, on n'a pas signé un papier où elle a dit qu'elle devait construire dans la cour. Il n'y a pas de papier signé. Elle me parle ça au téléphone après 1 an. Donc, c'est quand je lance le poulailler. C'est quand je lance le poulailler, parce qu'elle me dit que c'était la guérite qui était pour eux. La place, la guérite était, les appartenait. C'est quand je lance le poulailler là-bas qu'elle me dit d'arrêter le poulailler rapidement. Et j'ai arrêté le poulailler. Elle me dit qu'ils ont encore les projets là-bas. Hey! J'ai dit, maman, tu as encore les projets là-bas, ici comment? Je veux qu'on peut, c'est quand je vais partir qu'ils vont faire les projets là-bas, sur leur truc là. Mais je ne sais pas que c'est quand je serai tout là. Parce que s'il y a un projet, s'il y a l'immeuble ici, il y a les maisons ici. Mais est-ce que c'est encore Asda, mes chéris? La barrière s'est ouverte à tout moment. Le magasin est là. On peut voler. C'est vrai que nous-mêmes à Asda, nous restons ici à Asda aussi. Mais on ne sait jamais. Ça serait maintenant mélangé. Ça va être comment maintenant? Ça serait comment maintenant, les filles? Dites-moi un peu, non? Donc, c'est vrai que on n'aura plus de cours, on n'aura plus d'espace, on n'aura plus de je ne sais pas. Les enfants seront, ça serait maintenant restreint partout. Qui va entrer au direct comme ça? C'est moi qui va entrer au direct, là. C'est qui? Non, il n'y a pas Asda aujourd'hui, maman. Tu es où? Il n'y a pas Asda, maman. Il n'y a pas Asda aujourd'hui. C'est juste que ça reprend le lundi. Non, non, ma, on a annulé tout. Tu as compris? Oui, on va te donner l'argent pour le transport. Tu as compris, maman? Fais-le entrer, ben, beau. Tu donnes les biscuits à l'enfant, là. Tu donnes le transport. Tu as compris, papa? Parce que c'est pas... Le jour de la remise de dons, le 2 avril, j'avais dit qu'on annulait le manège. C'est pas grave, on va te donner le transport. Tu as compris? Et tu donnes les biscuits, tu vas rentrer avec l'enfant. Pardon. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Tu as compris, maman? Là, maintenant, on va même déménager bientôt parce que, regarde comment on est en train de construire dans la cour des enfants. Et c'est normal. Voilà. Les enfants ne sont pas en sécurité. Donc, on cherche un peu où on va. Le nouveau lieu, on va partir, oui. Donc. Si vous voyez, la barrière était fermée, sur l'entrée, m'assois là-bas en haut. N'est-ce pas, il fallait toquer la barrière. Bonjour, Sogo. Tu ne fais plus rien sur la toiture. Laisse d'abord parce que nous sommes maintenant. On n'est plus sûr de rester ici jusqu'au 29. Et même si on reste jusqu'au 29, on va payer 3 mois parce que le préavis, non? Parce qu'il faut qu'on cherche une place bien appropriée pour les enfants. C'est pas ça. C'est ça. Avant de sortir de ces locales. C'est pas ça. C'est ça. Donc, il faut laisser d'abord tout. N'arrange plus rien. Okay. Tu as compris? Parce que même si on paye 3 mois, le temps que je reviens au Cameroun, hein, on doit tout sortir. Il faut qu'on trouve une place. Il faut pas qu'on soit pressé. On va pas être pressé. On va chercher maintenant que le pire. Tu vois un peu? On va trouver une place bien pour les enfants. Monsieur Nia, donne-le 1000 francs. Tu as 1000 francs là-dessus de la maman, là, pardon. Cherchez-le les biscuits, pardon, mes deux. C'est une perte d'énergie, d'argent. Sinon, je vous serais allé, hein? Je vous serais allé devant les tribunaux. Pas des tribunaux avec la maison des gens. Mais les huissiers qui arrivent là, c'est juste pour voir le contrat de bail. C'est là que je n'ai pas tort de ce que j'ai dit. C'est tout. Ces personnes d'autorité que j'ai appelées qui viennent aussi voir. Pour voir si j'ai tort ou bien j'ai raison là. C'est pas pour les amener au tribunal. C'est la maison de quelqu'un, mes chers frères et sœurs. C'est pas mon domicile. J'ai juste besoin, on me donne le temps de sortir, trouver une place bien. Parce que là, maintenant, je vous appelle, mes chers frères et sœurs, de mettre plus de contributions à Asda. De donner vraiment plus, donc de visiter PayPal et les mobile money.
Parce que même l'argent que papa Alain Foucault a donné, si on enlève déjà l'argent sur ça pour 3 mois, on enlève encore pour notre 3 mois parce qu'on n'a pas vraiment trouvé un local bien pour Asda. Ça va finir. Ça va finir. Parce que imaginez-vous qu'on paye 3 mois. La course, c'est la vision de Dieu, hein, mes chéris. Ce n'est pas ma maison, hein. Mais je vous jure, Nia, tu étais là, viens les dire ce que j'avais rêvé le matin, là. Non, viens les parler, le 29, quand je me suis levé, 29 décembre 2021. Je me suis levé, qu'est-ce que j'ai dit que Dieu m'a montré la nuit? Il y a une maison qui est abattée dans la zone de Lokbisou. Comprenez bien, hein. Où un couple vivait. Comprenez, voilà, mon petit frère, il parle. Bonjour la diaspora, bonjour, bienfaiteur. Qu'est-ce que j'avais rêvé ce 29 décembre 2021, après l'arbre de Noël, au nouveau centre là, que le Seigneur me montre quoi? Il y a une maison ici à Lokbisou, là où un couple vivait, avec une grande cour, où on pourra faire nos manifestations. Et cette maison est abandonnée ou pas? Elle est abandonnée. Cette maison a fait au moins 2 ans, il n'y avait personne dedans. C'était abandonné. Dieu ne ferait me révéler. Le Seigneur ne ferait me révéler qu'il y a un couple qui a laissé leur maison ici à leur vaisseau. Personne ne vit dedans. Personne ne vit dans le... que c'est la maison des enfants différents de Douala là-bas, de Asda. J'avais parlé ça à la Bayresse. J'avais dit ça à la Bayresse que ben pourquoi toi tu me suis sur la toile? Tu ne donnes pas la maison des enfants, c'est pour qu'on fasse les tuer des enfants. Le loyer était à 250 000 qu'on avait demandé. Jusque le 250 000 est beaucoup. Elle m'a dit qu'elle va me laisser ça à 220 000. Qu'elle va me laisser à 220 000. Vois ce que moi-même je fais. Merci. Bertine. Elle m'a dit, la reine Galois, je te connais sur les réseaux sociaux. Quand tu as même parlé, j'ai entendu ce que tu as dit. Si vous partez sur le direct du 29 décembre, vous allez écouter la révélation de Dieu. Et ça me frappait beaucoup. Parce que si je fais ce qui n'est pas bon, Dieu va me frapper. Ah oui. Oh, voilà. Ça, c'est 10 000 qui va là. Tu vois, ça va changer. De toute façon, on ne connaît pas combien de parents vont arriver là qu'ils n'ont pas compris aussi. Tu vois un peu, non? Change une fois 10 000. Là, tu m'as mis 1000 francs, tu as vu mon père. D'accord. Si les parents arrivent et qu'ils n'ont pas compris, on est obligé de payer le transport. Tu vois un peu, non? Oui. Tu vois, ici, on ne blague pas avec ça. C'est lundi, ma. Tu as vu, maman? Et il n'y a plus de groupe, tu as vu, maman? Voilà, de lundi à jeudi, non, maman? Non, maman, il n'y a plus de groupe. Donc, tu viens quand tu veux. Tu as vu, maman, chérie? De lundi à jeudi. Lionel, va avec mamie. Bye, Lionel. Bye. Bye Lionel. Alors, bravo Lionel. Oh là là, nos enfants sont maintenant, ils comprennent beaucoup. Hein. Avant, c'était pas ça. Franchement, bravo. Courage à vous. Merci Émilie Foka. Merci maman chérie. Viviane Adé Tchana, bonjour. Bonjour tata. Il y a une dame de la Minoua qui m'a contacté. Qu'elle a sa maison au port, ancien au port, à l'Orbessou là-bas. Mais c'est trop derrière. Maman, c'est trop derrière, jusqu'à c'est pas bon. J'ai dit que la route pour arriver là-bas, c'est le Helele. La route pour arriver là-bas. Maman, imaginez-vous les enfants sur la moto. Eh non, moi j'ai la chair de poule. À Bafoussam, vous avez vu là où nous sommes situés à Bafoussam. Je ne pars pas loin parce que la volonté de Dieu ne me permet pas. À Bafoussam, vous avez vu là où nous sommes situés. C'est sur la route. À Yaoundé, c'est sur la route. Je vous ai dit et je vous ai répété que maman Céline, cette digne femme de Londres, maman d'amour, celle qui m'a donné le courage d'ouvrir ma mailleur, de lancer Asda Yaoundé. Elle avait donné sa maison derrière l'IRAT. Derrière l'IRAT. Mais le fait que la place n'est pas vraiment appropriée pour les enfants, je suis sortie de là. Si j'étais une fille profiteuse, si j'œuvrais seulement pour moi, pas pour les enfants, je devais dire, maman, c'est le gratuit. On a donné une maison gratuite et je restais moi là-bas. Et je faisais moi tous les œuvres. Ah, si il tombe. Non! Je ne peux pas faire ce que Dieu va me punir, mes chéris. Je ne peux pas faire ce que Dieu va me punir. Donc, quand il y a un truc comme ça, ça m'affecte. Ça m'affecte spirituellement. Ce n'est pas moi qui fais. J'aimerais dire au bailleur de cette maison, de cette villa, c'est de me pardonner. Ce n'est pas moi. Je travaille avec la voix de Dieu. Et ces personnes spirituelles vont dire que c'est la vérité, ce que cette femme dit. Je suis affectée, mes chers frères et sœurs. Je suis affectée, mais je ne peux pas pleurer. Parce que pleurer, c'est la faiblesse. Ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir dominer sur moi. Je rejette au nom tout ça de Jésus Christ de Nazareth. Je rejette toute faiblesse. Je rejette toute domination sur moi. Je suis là pour œuvrer pour les 100 voix. Ce n'est pas que je ne paye pas le loyer. Je paye le loyer à temps. Je paye le loyer à temps.
Ce bailleur-ci même a creusé le forage ici là pour nous donner à Asda. Avant que ça n'a pas marché. Avant que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir me faire? J'ai dit le propriétaire de cette maison a creusé le forage ici, mes chers frères et sœurs, pour donner à Asda. Ça n'a pas seulement marché. En fait, les gens qui creusaient le forage ont eu un problème. Ont eu un grave problème dans ce Cameroun. Parce qu'eux tous sont en prison. Les gens qui creusaient le forage, c'était maintenant abandonné comme ça là. C'était abandonné. Parce que je reparle à la dame là, que vous laissez le trou ouvert, que les enfants là, nous, on a les enfants à Asda. C'est un danger pour nous. Mais en attendant, les bénévoles avaient mis les bois pour couvrir avec un contreplaqué. Mais il fallait qu'on ferme le trou. Parce que vous connaissez que les trous du forage sont très profonds. Un enfant pourrait tomber sur le contreplaqué, il descend aussi toujours. Non, je ne peux pas pleurer. I will not. Je pleure quand un enfant est malade. Je pleure quand un enfant est en difficulté. Je pleure quand je ne trouve. Quand il y a un problème de location, peut-être un problème, je n'ai pas assez pour payer le loyer. Ah, papa. C'est pour nous, oui. C'est pour lui. Pourquoi comme ça, mon père? Non, laissez ça comme ça, non. Ils ne vont rien faire avec. Tu en prie. Les arrêts tout comme ça là-bas. Il n'y a pas de problème. Tu en prie, papa. Voilà. J'ai besoin. Il faut que je le voie avant de quitter le Cameroun. Tu en prie, papa. Il faut que je le voie. Il faut qu'il vienne me voir à Douala. Ou bien je peux monter à Oundé le voir. Vanessa et Vuna. Je vais me l'appeler après le direct. C'est parce qu'il peut monter à Oundé. Je peux monter à Oundé la voir pourquoi. Qu'elle vient me voir ici à Douala. Ah, c'est une à Douala en Zilindio. Qu'elle vient me voir. Elle me donne le temps. Elle me doit. Si je dois payer 3 mois encore de bon salaire de préavis. Je suis en train de sortir. Donc, elle me donne le temps de chercher là où je veux partir. Ils vont lancer le chantier, lancer tout ce qu'ils veulent faire dans la cour. Parce que même, il y a comme ça, il y a un danger. Regardez. Les enfants vont venir lundi, c'est moins jouer que sur ça. Regardez, ils vont seulement caler là-bas, aller tourner. Les bénévoles seront encore dans le travail. Que non, arrêtez, ne touchez pas là-bas. Ouais, dans ce zéro, vous là, mais je ne suis même pas les mangues. Ils sont arrivés ce matin là pour faire le haut. Il dit qu'il traçait quoi? Qui voulait tracer quoi? Les chambres. Tu voulais faire quoi, mon père? Qui voulait monter la chambre? Je lui ai demandé qu'il arrête tout travaux. Je lui ai demandé qu'il arrête. Ouvrez la barrière là. Venez pas ici, s'il vous plaît. Ouvre la. C'est ouvert. Ah, ok, c'est ouvert, papa. Vous êtes qui même? Je ne sais pas. C'est tonton Paul. Oh, bonjour, tonton. Bonjour tonton chéri. Je suis en direct là, mais on ne va pas te voir. Bonjour mon tonton chou. J'espère que tu ne m'as pas vu en bas là. Non. Ça va? Tonton. Oh. Ta fille a changé. Tu as vu ta fille. Oui, oui. C'est pas facile, tonton. Oui. Quand Dieu nous appelle, c'est autre chose. Hein. C'est la punition. Non, c'est pas la punition, c'est la bénédiction, tonton. Attends. Hein? Dieu te donne le fardeau à porter. Oui, tonton. Le fardeau à porter, tu vois. Tonton. Il te donne le fardeau. Tonton, j'aimerais que tu lises ce contrat de bail. Tu ne lis pas, on te voit. Tu lis seulement les droits que nous avons dans sur ce terrain-ci là. Nous avons pris ce centre social, tu te rappelles? La cour nous appartient, tout et tout là. Mais aujourd'hui, regarde ce que le bailleur est en train de faire. Les enfants vont s'amuser. On va mettre nos bachots pour faire nos cérémonies, tout et tout. Est-ce que c'est normal? Il faut, voilà pourquoi je t'ai appelé là, pour que tu viennes voir aussi. Tu viens un peu lire encore ce que nous sommes, ce qui nous revient de droit ici, à Asda.
Mes amours, ça c'est une autorité qui est là. Donc je peux pas mettre le son. Je peux pas mettre le son pour ce que nous sommes en train de causer. Ça c'est hors la loi. C'est pas bon. Faut pas que je l'expose. C'est une autorité qui est là pour voir les choses tout et tout. Pour constater lui-même. Donc, et c'est pas pour aller avec devant les barreaux. C'est juste pour qu'ils voient mon droit. Que, est-ce que j'ai tort de me fâcher? C'est tout. Donc laissez-moi un peu. Bah, je cause avec lui. Je vous reviens. Pardon, laissez-moi un peu. Je veux couper un peu le son là. Pardon, merci.
Mes amours, je vous reviens maintenant. J'ai discuté avec en fait, quelqu'un de ce pays, que je ne veux pas parler, il veut tel ou non, qui a visité le contrat, il a regardé tout et tout. Et il m'a dit que ça, c'est trouble de jouissance. Donc, ils n'ont pas le droit de construire. Parce que lui, il a regardé, il a vu le contrat de bail ici. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font là. Mais ce n'est pas un problème. Comme j'ai dit, je ne veux pas moi de problème. Parce qu'il m'a dit de voir un huissier et de poursuivre l'affaire jusqu'au tribunal, tout et tout là. Je me mets dans quel tribunal, maman? Avec tout ce que j'ai, mes enfants différents d'abord. Les enfants, ils doivent prendre là. La tête, ma tête et ses membres sur les enfants de Asda. Comment les choses vont se passer bien, bien là. Pour commencer à aller dans les barreaux. C'est leur maison. On ne dérange pas, mais qui me laisse le préavis de 3 mois là. Si je n'arrive pas à trouver une maison appropriée pour les enfants la semaine-ci là. Et comme je rentre la semaine prochaine, qui me laisse le temps de trouver une place pour partir avant de continuer à construire. C'est tout ce que je demande. Je vais parler avec elle tout à l'heure. C'est tout ce que je demande. Qui me laisse le temps de trouver. Pardon, appelez-moi. C'est parce que tu montres l'argent. C'est pas parce que je montre l'argent. Arrête tes histoires avec parce que tu montres l'argent. Vous êtes un problème avec l'argent. Vous avez un problème avec l'argent. Les autres, ils montrent l'argent sur Facebook chaque fois. Ils n'ont pas de problème. C'est bon, il va avoir les problèmes. Je montre l'argent pour manger. C'est pas l'argent pour servir les 100 voix. Arrêtez souvent vos commentaires parce que tu montres l'argent. Arrête de montrer l'argent sur les réseaux sociaux. Hein. Ceux qui montrent l'argent matin, midi, soir, ne leur fait rien. Pourquoi? Hey, arrêtez-moi vos commentaires à la con, hein, s'il vous plaît. Vous n'avez pas d'idée à me donner, partez. Abaku, c'est quoi comme ça avec vous? C'est quoi ça? Abaku, dis maman. C'est quel genre de raisonnement ça là? Arrête de montrer l'argent. Ces gens qui s'asseyent sur la toile et comptent l'argent devant vous là, pourquoi les pages n'ont pas de problème? Pourquoi ils n'ont pas de problème avec les gens tout et tout? Pourquoi pour eux c'est normal? Donc pour moi je montre l'argent à quoi? Voir maman, laisse-moi comme ça dans les tchaya. Vous avez un problème avec l'argent? Sans tous les gens qui attendent pour la chute de la reine galloise. C'est parce que tu montres l'argent. On dirait que c'est un problème d'argent chez eux. Je ne paye pas le loyer. Je montre l'argent sans payer le loyer. Passez par ici, s'il vous plaît. Je montre l'argent sans payer le loyer. Ah bah où là, maman? C'est parce que tu montres l'argent. Je vous dis que le loyer est encore payé jusqu'au 29 de ce mois. Hein. J'ai à payer le loyer jusqu'au 29 de ce mois. Hein. Bonjour, monsieur. L'autre jour, quand le bailleur a dit qu'il devait faire les travaux, pourquoi ne m'avez pas dit que c'était une construction que vous devez faire? Vous voyez que c'est normal de venir faire une construction dans une cour qui est comme ça? Vous voyez que c'est normal? Non, c'est moi. Mais quand il m'a dit devant vous que vous devez faire les travaux, pourquoi il n'a pas dit la nature de ces travaux-là? Qu'est-ce que c'était encore pour construire les chambres et tout, les salons-là, dans la cour? Voilà le contrat de bail ici. La cour appartient à Mariam Samir Aboubakar. La cour n'appartient pas, la cour ne les appartient pas. Vous voyez que c'est normal qu'ils viennent construire ça. La guérite les appartient, comme ils m'ont dit dès le premier jour. Que la guérite c'est pour eux, mais le reste là c'est pour Asda. Vous voyez que c'est normal? C'est pas normal. Mais alors, pourquoi vous construisez alors comment alors? C'est pas avec moi que vous allez causer cela. Puisque moi je suis technicien, j'exécute hey. Ce que lui il m'a demandé de faire. Le jour là qu'il a dit ici là qu'il y a les travaux. Que l'enfant là vient me dire que vous allez. Le jour là qu'il a dit qu'il y a les travaux ici là. Oui. Est-ce qu'il a donné la nature des travaux? Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il avait dit devant vous. Là-bas, c'était à vous de lui poser la question. C'était lui qui a fait. Non, il a dit, il a les travaux. Parce que moi, je suis technicien. Mais moi, je sais que quand il dit travaux, c'est par rapport à. Parce qu'il a montré son côté. Moi-même, quand je suis arrivé ici, si les gars, s'ils peuvent vous dire, j'ai d'abord sorti ceci-là. Je savais que moi, j'avais une chambre à faire ici, un salon, parce qu'il dit qu'il est dans une chambre. Il fallait sortir le salon pour que quand ses invités viennent, qu'on n'entre pas dans la chambre, il reçoit ses invités ici. J'ai fait ça. Lui, il est encore venu. Quand on a sorti ça, juste quand on voulait monter le haut, lui, il a encore ajouté ceci. Ça veut dire qu'il se moque de moi, c'est alors. C'est pour ça que vous voyez la fondation. On a d'abord parlé. Il se moque de moi. C'est une faute pénale très grave. Parce que si la dame a le temps, elle appelle ici. Il y a trouble de jouissance. Il y a violation de domicile. Quand je construis, je vous fais louer la maison. Je n'ai plus droit. À venir entrer chez vous comme vous voulez, comme je veux, quand je veux, lorsque je veux. Combien de fois encore faire des travaux? Il fait des travaux. C'est parce qu'elle dit qu'elle n'a pas le temps. Elle fait constater par un ici. Elle n'a pas la passé depuis le travail. Depuis le premier jour, on s'est mis au tribunal. Si elle fait la citation directe au tribunal.
Je n'étais pas là. Depuis que je travaille, on ne s'est pas vu. Je n'étais pas là, non. Je n'étais pas là. J'étais à l'ouest pour travailler pour les enfants là-bas à l'ouest. Je crois que c'est le forage. Je crois que c'était un truc de forage ou bien quelque chose qui voulait peut-être améliorer là-bas. Dans sa maison. Tu vois un peu, non? Dans le guérite. Là où c'est la guérite là. Je crois que c'est un truc qui devait améliorer dans la guérite. Mmh. Il travaille tout là-bas beaucoup. Tu vois un peu dans mon père. Donc, il a eu tous les travaux là-bas, un jar. Mmh. Donc je croyais que c'était pour m'avertir qu'il y aura des petits travaux encore dedans. Tu vois un peu mon père. Ça ne va pas déranger. Moi, après, je suis parti à l'ouest. Mmh. Je suis allé à Yaoundé travailler pour les enfants. C'est quand, après, je, reviens, c'est quand je reviens, maman. Je suis rentré ici samedi dans la nuit vers minuit. Oui. Tu es déjà fatigué. Il m'attendait. On ne m'a pas dit ce qui se passait. Quand je reviens, je vois ça, j'ai failli m'évanouir. Il y a quoi ici qui se passe? Écoute, j'étais dans un autre centre. Ma tête a disjoncté, c'est comme s'il y a un truc qui n'allait pas sur moi. J'étais dépassé. J'ai même voulu lancer le direct la nuit là, mais tellement j'étais fatigué. Je vais l'appeler, je vais lui dire. Il faut lui dire, moi je l'attends, hein. Qui ne t'attend pas que je viens ici pour venir frustrer les bénévoles, hein. Parce que je peux partir, je reviens à tout moment. Je peux aller, je peux rentrer, je reviens à tout moment ici au Cameroun. Pardon. Qui n'attend pas que peut-être je parle. Il est dans la faute. Parce qu'il y a tonton, il y a mon tonton, c'est là qui sera mené ici chaque fois. Il est dans la faute. Il va laisser tout à mon tonton et lui va gérer avec s'il ici là. Déjà, pardon. Chasser la locataire. Qui me chasse doucement? Hein? Elle me dit qu'elle avait dit qu'elle devait faire des travaux ici, tout et tout, toutes ces choses-là. Elle devrait faire après ta sortie et non quand tu es encore là. Tu en prie. C'est après la sortie. Il y a trouble de justice. Eh, mais tu on y a. Avant que l'un paye les mamans. Avant de payer les gens, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer. Même quand tu payes le loyer, il y a toujours un problème, maman. C'est monsieur Milo que vous appelez. Mais quel Luc? Voilà ce que le baril d'André fait ici dans la cour de Asda. Voilà vous-même. Et ça, il n'a pas le droit de le faire. Reconstruire encore un truc dans la cour de Asda. C'est madame que vous appelez? Non, c'est monsieur. On ne fait pas de ce projet. Ça là, c'est un truc provisoire. C'est pour ça qu'on met les papiers, on ne enchaîne même pas. Voilà. Et on ferme le poteau en triangle. Vous m'avez dit qu'après ça, il devait casser, il devait monter, il devait tracer comme ça, monter un immeuble ici. Hey! Bitounyao! Oh, Bitounyao, mon gouta, chez moi, ils ont beau tchao, maman! Ah, mon gobette! Ah, mon gobette! Donc, il ne me dit pas là ça depuis que je cherchais une autre place, pourquoi?
et demande si on connaît qui il est dans ce Cameroun. Et dit qu'on connaît qui il est dans ce Cameroun. Et que lui-même, il regarde aussi les orphelins, il regarde les telles personnes, il paye, il fait comme ça, à titre quoi, personne avec sa femme, tu es tout là. Il regarde les orphelins, il regarde les handicapés, il va dans les villages comme les macarfés, tout ce qu'il fait là, on ne refuse pas. Pourquoi venu déranger les handicapés, les enfants ici dans sa cour? Venu construire, le chef chantier dit ceci, que là c'est une place temporaire parce qu'il va même monter l'immeuble là. Donc il va monter l'immeuble, il fallait qu'il me dise de partir, qu'il me dise de partir depuis. Il devait me dire de partir depuis. Et il reste faire ce qu'il va faire. Il fallait qu'il me dise de partir depuis. Moi, je veux partir, il n'y a pas de problème. Mais qu'il ne vient pas faire le genre qu'il commence les travaux comme ça sur mon nez. Et quand on parle, il dit qu'il est qui? Il est telle personne dans le Cameroun. Vous, les commissaires du Cameroun, là. Vous, les gens de l'armée du Cameroun. Vous voulez tout mépriser les gens. Je suis ici là pour travailler pour les handicapés. Vous avez compris, non? Je veux ma vie sur ça. Je veux ma vie ici. Depuis des années, je travaille ici. Depuis des années, je monte, je descends. Je n'ai plus vie. Je n'ai plus vie. Vous prenez vos grades pour nous rabaisser le bas peuple. Vous montrez vous des personnes parce que vous êtes un homme d'armée. Vous voulez nous rabaisser. Vous voulez nous détruire. Parce que vous êtes des hommes d'armée. Mon Dieu va venger pour moi. Mon Dieu va venger pour moi. Mon Dieu va venger pour moi. Si je n'ai personne ici là, le Dieu que je sais va venger pour moi. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, mes chers frères et sœurs? C'est pour la sécurité des enfants. C'est pour la sécurité des enfants que je meurs. C'est pour la sécurité des enfants que je pleure. Il commence à nous menacer. Il commence à nous menacer. Est-ce qu'on connaît qui il est? Qui est le trafic d'influence? Mes chers frères et sœurs, j'ai appelé le nom de quelqu'un depuis hier. J'ai appelé son nom. Est-ce que j'appelle son nom? Je vais prendre, je vais sortir. Mais avant de sortir, il faut que je trouve une place appropriée. Avant de sortir, il faut que je trouve une place appropriée. Je peux pas quitter de là. Je peux pas quitter de là pour aller prendre n'importe où. Parce qu'il faut que je sorte d'ici, mes chers frères et sœurs. J'ai trop investi dans cette maison. Ce n'est pas ma maison, je vais sortir. Mais on ne fait pas comme ça. Il dit qu'il est tel. Il est le commissaire de la région de l'Ouest, du Nord. Il est le commissaire tel. Il est telle personne de l'armée. Il est solide au Cameroun. Le bas peuple va mourir parce que vous êtes solide. Qu'est-ce que je fais de mal ici dans votre pays? Qu'est-ce que je fais de mal ici dans votre pays? Il a le droit d'entrer ici construit dans la cour ici. Ce n'est pas dans le contrat de bail qu'il doit entrer ici construit n'importe comment. Hein? Ce n'est pas dans le contrat de bail qu'il va mettre les enfants mal à l'aise. Ce n'est pas la première fois. Il est en train de traiter qu'on ne connaît pas qui il est. Je l'attends. Qu'il vienne le droit me parler ça devant moi. Qui est le commissaire? Il est de telle personne, il est gradé. Comme on n'a pas de personne gradée, on va mourir, n'est-ce pas?
partir. Je n'ai pas un problème de partir. C'est comme les enfants de papa, les enfants handicap. Hey, tu regardes les handicapés encore. Tu regardes les handicapés. Tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Oh, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Mon père, c'est pas la première fois. Si il y a tout le monde petit nos gens, si. C'est pas bon de rester ici. Je veux la sécurité de mes enfants. Tout le monde qui est ici. Je veux la sécurité de mes enfants. Je veux la sécurité de mes enfants. Je veux la sécurité de mes enfants. J'ai cassé mon téléphone, c'est pas grave. J'ai cassé mon téléphone, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais le Dieu qui sait voir tout le monde. Dieu sait voir tout le monde. Mes chers frères et sœurs, si j'ai trouvé le logement, même hier je partais. Même hier je partais, mes chers frères et sœurs. Je veux la sécurité de ses enfants. C'est pourquoi je pleure. C'est la sécurité de ses enfants. Mais il vient me parler parce qu'il est un gradé dans ce pays. Parce qu'il est un homme d'armée dans ce pays. Parce qu'il est quelqu'un, un homme d'armée dans ce pays. Il va me montrer que les gens qui n'ont pas de... Je n'ai pas de relation. Mais Dieu est ma relation. Dieu seul est ma relation. Je dis, le Seigneur seul est ma relation. Dieu va venger pour moi. Dieu va venger pour moi quand je suis au service du Seigneur. Je suis au service de Dieu. Il a un plan de construire ici. Construire l'immeuble ici devant la cour. Il n'a pas de construire l'immeuble devant la cour. Pourquoi ne pas me dire depuis que madame cherchait où vous allez partir parce que les constructions vont commencer dans ma cour. Pourquoi ne pas me dire ça depuis? Comme ça, quand je venais, on devait trouver une place appropriée pour les enfants. Ils attendaient que je verse l'argent. Que je verse encore les 2 600 000 que papa Alain Foka m'a donné afin de lancer bien le chantier. Mais Dieu n'a pas accepté. Le Seigneur de mes ancêtres n'a pas accepté ça. Ils attendent que je verse les 3 mois de loyer. Et ils disent que je dois partir d'ici. Moi-même, j'ai envie de partir. Moi-même, je suis en train de chercher. Mais maintenant, je reçois encore pour chercher la maison. Moi-même, je suis en train de sortir déjà. Qui ne croit pas qu'il me chasse? Parce que moi, je suis parti depuis le jour que j'ai fait la construction dans ce cours. Depuis le samedi, je suis rentré. Je suis rentré de la tournée de la journée mondiale de l'autisme. J'ai vu la construction. J'ai dit à mes gens, c'est là que nous sortons. Qu'on part. Qu'on doit partir. Moi, je suis en train de partir. On parle, il dit qu'on connaît qui il est dans ce pays. Qu'on connaît qui il est dans ce pays. C'est comme ça votre Cameroun, mes chers frères et sœurs. Le Cameroun va changer quand? Le Cameroun va changer quand, mes chers frères et sœurs? Que les gens seront toujours en train de faire le trafic d'influence. Parce qu'ils ont les grades dans ce pays. Parce qu'ils sont les je suis là. Ça va changer quand, mes chers frères et sœurs? Mais sachez que le Seigneur que je sers serait toujours derrière moi. Le Seigneur que je sers ne me laisserai jamais tomber. J'ai confiance en mon Dieu. Et je remets tout entre les mains de mon Seigneur. Le Dieu de mes ancêtres, moi je sais, il va toujours être derrière moi. Aujourd'hui même là, même si c'est dans le trou, je vais libérer la maison. Et je vais laisser tout entre les mains du Seigneur. Rappelez-vous de ce 7 juillet, de ce 7 avril, désolé. Rappelez-vous aujourd'hui 7 avril où j'ai coulé mes larmes. Et le son Dieu fait le reste. Merci infiniment mes amours. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. 7 avril 2024. Rappelez-vous de ce jour. Mon Dieu va agir. J'ai confiance à mon Seigneur. Merci.